La 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 la. Bon, petit réveil. Toute la nuit. Voilà. Bon. Sur ce. Ça roule. D'MZ, c'est pas le même. La porte, hein, qui joue pas en équipe de France. Tirage au sort. Eh ben, je jouais contre Stock à l'extérieur. Ce sera pas facile. Bon, j'espère que vous allez bien. Faut que je me réveille, hein, parce que là, c'est le matin, 8 h. Dur, dur. Dur, 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 dur. Swansea pour mon 2-2-2, c'est mon deuxième match à domicile de l'année en championnat. On va essayer de répondre présent. Tielemans, 4 à 5 jours, putain, il se blesse souvent le petit là. Ça fait galérer quoi. Ça fait galérer. Liverpool qui vient de gagner contre Arsenal 2-1. Alors qui comme buteur? Pérez. Doublé de Pérez. Ayoz Pérez, très bon joueur. Acheté par Newcastle, c'est ça, apparemment. Et racheté 49 millions d'euros. Wow. Bon, nous y voilà. Donc, je vais remettre ma tactique avec mes trois défenseurs centraux pour ce match.
On va mettre l'équipe type 1, clairement. J'espère que ils tiendront leur rang. Voilà. Équipe type donc, et on y va. Allez, il faut espérer faire un bon résultat sur ce match. Et c'est parti. Ah. Intervention, Gullish, Brings, Ings qui va, oh, mais là frappe de Vela au-dessus, plutôt à côté. Vela Basic, oh. Allez les gars, 6 minutes. Oh, gardien battu, mais poteau sauvé par le défenseur. Hein. J'ai pas bien vu. Lopez, Basic, Pastoreto. Comi, c'est gardien de but, je savais pas. Et Pastore qui marque son premier but pour Southampton. Bravo. Beau petit but. Ça fait plaisir. Je suis content qu'il marque le petit Pastore. Je compte sur lui pour faire une saison d'un niveau plus que correct. Voilà, petite pichenette. Ça suffit, 1-0. Il y en a assez. On est bien en place. C'est cool. Ah, attention. Oh, frappe à côté, ça va. Woodman, Vela. Si richesse à côté. Ouais. Oula. Vela. Oh non. Carton rouge direct. Ah, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. On va faire un truc comme ça. Assez défensif quand même, mais ça me plaît bien. Voilà. Mi-temps, 1-0. Vous relâchez pas. Bien tombé qui se prend un rouge comme ça là. Oh, quel dommage. Lopez au-dessus. Faut tenir les gars. Ings, Grilich, Pastore au-dessus. Dommage. Pastore, Vasic, Pastore, Grilich, Lopez. Pastor. Allez, 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 Pastor. Oui. La parade du gardien, dommage. On fait un bon match, on fait un bon match, on tient. Même s'il manque le... Il manque un deuxième but là qui... Oh là 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 là. C'est pas vrai. Ça donne quoi en stade du match? Oh, 17 tirs à 5. Incroyable. Incroyable. Skrillic qui fait pas un bon match, je vais le sortir. J'ai Lopez aussi qui fait pas un très bon match.
Je vais attendre avant de sortir. Allez. Une bonne défense. Allez, je vais essayer de jouer un petit peu plus offensif pour la fin de match. On sait jamais. Ah, c'est fini. 1-1. Ah, Vela, il a fait chier. Le gars, il se prend un rouge. Il tue le match, quoi. Franchement, il tue le match. J'avais le match bien en main. La galère. La galère, franchement, je suis deg. Contingent. Il y a les Leverkusen, le petit. Bon, je fais nul contre Swansea, du coup, j'avance pas beaucoup en championnat. Deux nuls, un gagné. C'est moyen, moyen. C'est moyen. Après voilà, on est qu'au début quoi, hein, mais c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Réunion du stade, enfin, déplacement. Ok. Ouais, bon, c'est pas grave. On va s'en remettre, hein, c'est que le début de saison, hein. Mais sur le match, c'est vrai qu'on méritait un peu. Tottenham 5e. Moi je dégringole petit à petit quoi. Je suis annoncé 7e en fait, j'avais pas regardé. Et au niveau des classements, je voulais regarder. Il parle pas des relégations, il parle pas du. Ok. Acceptable. Verra bien, on verra. Bon après ça va aller un peu plus vite quand les transferts seront terminés.
Je pense qu'on aura une vitesse de croisière un peu plus rapide. On est quasiment là, à la fin du mercato. Toujours un peu long, hein, le traitement des données pour le dernier jour du mercato. Bon, allez, hein. Dernier transfert aujourd'hui, refusé. Thompson, titulaire, accepte, j'accepte. Ouais, c'est bon. Dunette, bientôt 1. Ah. J'accepte. Thompson en prêt. C'est cool, il prête beaucoup de joueurs, c'est bien. Il va être plus mon adjoint qui s'occupe de ça. C'est bien. Keep your hair. Bon, début de saison en demi-teinte, hein, victoire contre, je sais même plus le nom du club, le club qui a un nom bizarre. Chez moi, 2-0, je crois, 2 ou 3-0. Ensuite, je vais à Newcastle, je fais 2-2, plutôt un bon résultat. Et après, je reçois Swansea et je fais 1-1, alors que je me prends un rouge quasiment d'entrée, enfin en plein milieu de la première mi-temps. Donc la galère quoi, clairement la galère. Yo Gilbert, comment vas-tu? La forme. Bien dormi. Je viens de commencer le stream là, il y a un quart d'heure. Hein. Je suis encore un peu. Faut que je me réveille quoi. Un peu dans le pâté, mais bon. J'en profite que je sois tout seul chez moi. C'est tellement rare. Pour avancer sur ma saison. Je m'amuse plutôt bien. Je trouve que c'est un très bon défi, quoi, Southampton. J'espère que je vais répondre aux attentes des dirigeants, ça me fait un peu peur. La Ligue Europa, dès la première saison, quand tu montes, je suis annoncé septième, hein, j'ai regardé par rapport aux médias. Putain, ils perdent tous leurs joueurs, Sirius là. Ça fait peur. Hey, Lopez sélectionné. Ah, c'est cool. Je vais essayer de faire une plus-value sur lui. Hein.
J'ai observé Areola parce que je vois qu'il joue pas à Paris et puis bon, il a quand même 27 ans maintenant. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Bah ouais, ça va super bien, hein, en forme. Je vais aller reprendre un café là dans 5 minutes. mais sinon, ça va très bien. Sur richesse. Le LOSC me suivrait. Écoute, s'ils ont 15 millions, je vais même mettre plus pour lui parce que. S'ils ont 25 millions parce que je compte sur lui, j'ai qu'un seul milieu défensif. S'ils ont du pognon à mettre, pourquoi pas? Il est mécontent, lui. Putain, le gars, ouais. Je peux même pas faire autre chose que ça, quoi. C'est dommage parce que c'est un bon joueur, quoi, le Windman. Mais bon, il fout la merde, quoi. Il a tout été mécontent toute la saison dernière, à toute la fin de saison hein, quand je suis arrivé. Donc, c'est un peu galère, quoi. Un peu galère. Bon, après là, un match compliqué, je crois. Non, contre qui puer, ouais. Bon, je vais tester ma tactique en 4-4-2 pour ce match. Comme je joue à l'extérieur, c'est une tactique de contre. Je vais essayer de tester ce que ça vaut là-bas, quoi. Même si bon, qui puer c'est une équipe assez mieux tableau, voire bas de tableau. Même s'ils sont encore en première ligue, c'est qu'ils ont quand même des atouts. Non négligeable. On va essayer de. Je sais pas. Est-ce que je joue en 4-4-2 ou Bonne question, hein. Bonne question. Allez, je m'active pour avancer un peu plus vite. Parce que pour le moment, il n'y a rien de bien transcendant. Carrément, quoi. J'ai bientôt Liverpool qui se présente Liverpool, Arsenal et Manchester United. Ça va être, je vais vite dégringoler, je crois, au classement là, après ces matchs. Hélas. Après, peut-être que j'arriverai à faire des coups, hein, mais bon. On verra. Ouais, non, ok. Ok. Salut Lurikent, bienvenue sur mon stream. Je vois que tu es là. Bienvenue à toi. Bon réveil à vous. Bon dimanche. Bon, qui puer. Ah.
l'alimentation, c'est pas intéressant. Bon, je me tâte. Qu'est-ce que je fais? Sachant que... Ouais, ils ont cabaye. Ils ont cabaye. Bon, je vais retester encore ma formation avec trois défenseurs parce que je trouve que je fais pas des mauvais matchs. Donc, on va retester encore une fois. Toujours la même équipe type à ce niveau-là. Woodman, Shawcross, toujours la même défense centrale. Même si Char est pas en forme, ça va pas aller. Ça va pas le faire. Va mettre McCarthy. Et Forster revient au but. Premier match de la saison pour lui. Il était temps. Je regarde un peu qu'est-ce qui m'a mis sur le banc là, parce que j'y m'a mis des ailiers alors que j'ai pas d'ailiers qui sont dans ma tactique, j'ai pas d'ailiers, c'est n'importe quoi. Voilà, je pense que ça me paraît bien. Allez, on y va. Parti. Il y a Doumbia en face, hein, quand même. Allez. Voilà, Woodman, ah, Tielemans, Richez, Basic, oui, joli ça. Tielemans, oh, belle frappe, belle parade du gardien. Pour l'instant, on domine, on a des occasions, mais on les met pas, quoi. Je vais les encourager. Oh là, attention le contre là. Oh non. Incroyable. Ils font rien du match. 9 tirs à 2 et puis penalty. Oh, il y a de quoi être deg là, hein. Franchement. On va jouer plus offensif en deuxième, mais bon. Assez déçu là. J'ai pas de chance. Un péno, un carton rouge au dernier match. Oh là là, que c'était bien joué. Qu'est-ce que c'était beau et j'y arrive pas à la mettre au fond. Yes! Égalisation, putain. Même si c'est sur corner, je prends. Je signe des deux mains. Putain. Ah, c'est logique en plus, quoi. Y a pas plus logique. Ils font pas grand-chose, quoi. Et puis, ça arrive à...
faire une très belle nuit. J'arrive à pas gagner ce match, quoi. Allez là. Oh là là. Qu'est-ce qui a blessé? Vas-y, tu. Génial, quoi. Je vais me mettre en contrôlé. Quoique, non, on va essayer encore d'attaquer. Coup franc. On va même essayer de créer le surnom pour la fin. Allez. Corner, on sait jamais. Ah non, même pas une action, quoi. Oh, quel dommage. C'était qui le 19 là? Chimanga. Ah, Tielemans qui a fait 9 sur 10 là. Je crois que j'ai trouvé sa position. Je le faisais jouer plus en milieu def, mais non. Faut plus le mettre en meneur. Bon, putain, 20 tirs à 4 les gars. Incroyable, hein. J'y arrive pas à... J'ai du mal à, ouais, à enchaîner, quoi. C'est incroyable, hein. Je fais des bons matchs, mais j'arrive pas à... Pas grave, hein. Le problème, c'est que là, derrière, si je prends pas les points contre des plus faibles, là, derrière, je reçois trois gros, quoi. On va voir ce que je vaux contre les gros, hein. C'est sûr que qu'on va voir ça, quoi. Mais ouais, à voir. Bon, je vais aller me faire un petit café. Je reviens tout de suite en même temps. Je fais une sauvegarde. J'arrive. Bon. La cata, la cata. Bon. On va voir ce qu'on vaut bientôt hein, dans les matchs. Les trois matchs, je me répète, mais je suis encore sur mes Glover, tiens. Qui est pas mauvais. Défenseur centre. Pour l'instant, le championnat est assez serré, donc je suis pas décroché, quoi. Klein veut jouer, mais t'inquiète pas, tu vas jouer là parce que je vais jouer avec ma tactique. Ma tactique est 4-4-2 en fait, avec une tactique de contre. Qui peut aussi bien marcher, sauf que mon problème c'est que j'ai Kramons qui est blessé encore. Il n'a pas encore joué un match quoi, hélas. Encore blessé. Ça aussi, c'est vrai que le fait que j'ai pas mon attaquant, c'est un handicap aussi quoi. C'est vrai que
quand t'as pas ton buteur. Un peu chiant, mais bon. C'est tout, c'est le jeu. C'est une année comme ça. Arsenal, 7e. Font pas un très bon début de saison, c'est peut-être le moment de les prendre aussi, hein. On va voir. On va voir. Un peu déçu du rendement de Pastore pour le moment. J'espère que... J'ai à observer, mais pas sûr que j'ai une offre pour lui. Ouais, déçu du rendement de Pastore. Je vais regarder un peu là combien. Putain, ils font chier, ils sont tous observés, ils veulent tous partir. Alors Pastore, il tourne à 6,88. Un seul but. Voilà, c'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais bon. Peux pas dire que je suis à l'agonie pour le moment non plus, donc faut le temps qu'il s'intègre aussi. Ings, voilà, Liverpool. Puis ça se peut que je le perde, Ings, parce que quand je vois qu'il y a beaucoup de clubs sur lui, je me dis ouais. Donc peut-être c'est bien, ils s'attendent à ce que je joue en 3-5-2 en fait. Mais en fait non. C'est cool. J'ai pas joué de la saison comme ça, les joueurs connaissent la tactique. Ça peut le faire, ça peut surprendre. On verra. Allez, premier gros match de la saison, on y est. C'est pour ça qu'on aime être en première ligne, hein, c'est pour des matchs comme ça. Voilà, donc on va jouer en 4-4-2 contre. Donc je regarde un peu qui me met en pointe. Il me met Muniz en pointe. C'est un attaquant défensif, c'est intéressant, je savais pas, tiens. Donc pourquoi pas. On va le mettre. Avec Ings devant qui normalement devrait marquer pas mal de buts. En meneur de jeu excentré, Bacic. Ouais, parce qu'en fait sur ma tactique c'était je mettais Grilic à droite en meneur. Voilà pourquoi j'avais mis meneur de jeu excentré. Par contre au milieu de terrain il me met Kutger et pourquoi il me met pas Tielemans? Parce qu'il y a 90% c'est ça. M'embête un peu qu'il me met pas. Je vais quand même mettre Tielemans. Par contre, en milieu axial défense, non, là je suis pas d'accord. Il me faut quelqu'un à tendance défensive carrément, quoi. Qui soit bon en tacle. Là, je vois qu'il y a 12. D'habitude, je mets. Tielemans, il y a combien en tacle en fait? Il y a 9 en tacle, c'est pas vraiment. Chez Richesse, ouais, il est bon, mais est-ce qu'il veut. Ouais, il correspond pas trop à la tactique, quoi. C'est pas grave, je vais le mettre quand même. Parce que je veux vraiment quelqu'un de défensif. Voilà. Allez, c'est parti. Gros match. On y va. Donc je joue en contre. Verra. Surprise. Jouer ça. Oui, Muniz. Ça c'est bon ça. Yes. 1-0 à Arsenal. Incroyable. Bon début de match. Belle frappe. Ça c'est bon. Allez, on domine toujours. Ah non, là c'est pour eux. Oh là là.
On doit pas prendre des buts comme ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là, le défenseur et le gardien qui se... Oh, oh non, oh non, oh non, je suis déçu là. Grealish, ouais. Allez. Ah dommage, dommage. C'était bien joué. On fait un bon match pour le moment, on est bien en place. Action pour Arsenal. Schneiderlin, ancien joueur de South. Non mais regardez, encore oh, là, là, là. Encore une erreur, un tac sur la casette, voilà, et puis Sanchez qui récupère, non mais. Ouais, Woodman. Ah bah c'est Chelny qui marque contre son camp. Ah ouais, bah, c'est vrai qu'elle sortait. Bon. 2-2. Allez, j'ai une tactique de contre, donc normalement, ça doit partir à 200 à l'heure. Normalement, hein, parce que là, ça n'a pas l'air de... Oui, joli ça. Dommage, Bertrand. Allez! Oh. Jouer, jouer, jouer. Fofofofo. Son Sanchez. Bon. Je veux dire qu'ils font un bon match parce que c'est vrai. Pour l'instant, je fais le résultat à faire, c'est-à-dire pas perdre. Là là là. Par contre, c'est un but, un super but. Qui là? Char. J'arrive pas à partir en contre. Oh, puis la casette, il se balade, hein. Dans la défense. Aïe aïe aïe, quoi. Allez, faut récupérer là. Ah, et puis on n'est pas bon au milieu de terrain. À partir de là, ça peut pas aller. Hein. On n'est pas bon, on n'est pas bon. On n'est pas bon au milieu de terrain. Oh là là, puis là il gère le score carrément. Ce qui est un petit peu normal en fait. Voilà, je tente quelque chose, mais bon. Un bon coup franc pour moi là. C'est à côté. Faut tenter, hein. Faut être sur nom. Ah, je passe à côté de mon match hein, quand même. Quand je vois les notes des joueurs, hein, je me dis que on n'est pas bon. Eh ben défaite, première défaite de la saison, je crois. Ah, c'est vraiment dommage. On méritait quelque chose quand même de ce match. Ouais. Après, est-ce que j'ai bien fait de jouer comme ça?
Bré... Bévue tactique et fin d'invisibilité. D'accord. J'avoue que ouais, je suis assez d'accord avec les supporters. Ça les a peut-être déstabilisés, cette tactique, quoi. Parce qu'on n'a pas vu un grand match. J'ai pas été au-dessus au niveau des occasions, mais bon, après, ça reste Arsenal, quoi, hein. On va voir. Je vais me remettre avec mes deux milieux def là, hein, sur ce match-là contre Stoke. Mais après, je joue contre Manchester chez moi, et contre Manchester, je remettrai aussi ma tactique avec 3 def. C'est parce que j'ai un manque de réussite, parce que c'est vrai que bon, mis à part ce match-là où globalement c'était assez serré, ça aurait pu être nul comme c'est vrai qu'Arsenal a eu des occasions, quoi. Salut à Amazing Cooper, bienvenue. Globalement, je méritais peut-être un peu mieux, mais après c'est vrai que le fait de changer de tactique comme ça, même s'il la connaît super bien. Je sais pas si c'était. Je voulais jouer en contre, hein, clairement, mais ça n'a pas trop marché. Allez, Stoke Southampton. Toc, toc, toc. Allez, contre Stoke, match de coupe, histoire de se relancer. Qu'est-ce que je fais? Je vais changer de tactique, mais bon, ils la connaissent, hein. Pour surprendre aussi l'adversaire, on va jouer en 4-5-1. Et en fait, j'ai envie de voir le rôle de Pastore en meneur de jeu avancé. Voir s'il peut apporter plus comme ça. Et je pense que oui. Je pense que oui. Et ça permet de faire jouer aussi mes arrières latéraux, quoi. Et ça, c'est bien. Pareil, je fais jouer des jeunes aussi. À gauche, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Lopez qui a pas joué. Par contre, à droite. À droite, à droite. Le petit Muniz. Allez. Forster au but. On y va. J'ai encore fait tourner, hein. Tactique différente, mais bon, c'est voulu, hein. C'est voulu. Allez. Oh, dommage. Ah, c'est Bertrand qui est légèrement blessé, c'est ça? Je sais pas, Storey là sur le côté, je sais pas ce qu'il fait. Yeah! 1-0. Voilà, Ings. Super. Bon, c'est pas une très belle action, c'est pas très bien construit, mais bon, je m'en contente. Je m'en contente. Ouais, le gardien qui se loupe. Clairement. Ivanovic. Oui, Ings. Clean. Klein. Bonnie and Klein. Ouais, Lopez. Ouais, pas faute, là. Oui, Pastore. Pour Ings. Et 2-0! Joli, Pastore. Voilà, c'est ça que j'attends de Pastore. C'est les passes lumineuses. C'est joli. Ça fait 2-0. Belle passe en profondeur. Ings qui fait le bon contrôle. Il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Bien joué. 2-0. Ça a l'air de plutôt bien marcher, cette tactique. 3-0! Yes!
Premier but de Chimanga, un joueur en prêt de City, Regen qui est très très bon. Ah, ça fait plaisir là. Ça fait plaisir. Logiquement, ce match-là devrait être gagné. J'ai bien dit logiquement. On est dans les FM. Oh, Forster, bien joué. Belle parade. Ouais, joli. C'est intéressant le milieu de terrain là. Et Ings comme là, voilà. Ings était en super forme. Donc sur un match comme ça, quand on a une seule pointe, si l'attaquant est à une note supérieure à 8, automatiquement, le match normalement doit être de bonne qualité. Oh, Faust! Quelle parade, bien joué. Je m'en sors bien là, ça aurait dû faire 3-1 sur cette action. Pastore, oui, Ings. Ah, dommage. Dommage. C'est encore une bonne passe de Pastore qui fait un 8,5. Alors, je pense encore une fois que ça se vérifie tout ça. Pastore, donc deux passes décisives. Et en tant que meneur de jeu, donc en MC, il est énorme. Par contre, quand vous le mettez en MOC MOG, eh ben c'est pas extraordinaire apparemment. Et ça se confirme parce que avec Larrétian, on en parlait. C'est vrai que c'était le même cas pour lui, quoi. Donc je pense que c'est comme ça. Je vais faire rentrer Woodman parce que je vois que Bertrand n'est pas bien. Quoi, c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment l'équipe marche avec cette tactique. Surtout qu'après j'ai un match contre Manchester qui m'attend. Ça va me faire réfléchir sur le. Je vais faire sortir Pastore parce que là il est KO. Ça me fait réfléchir sur le. Comment dire? Sur le choix du dispositif contre Manchester, du coup. Je me tâte un peu. Jouer ça. Ah, dommage. Dommage, dommage. Oui. Ah! Ah putain, c'est rageant quoi. Allez, je fais rentrer Benzia pour la fin. Ce serait bien qu'il marque un petit but, le Bendia. Oh! Ça donne quoi en stade du match? 20 tirs à 15. Bon, c'est assez, bon, je vais dire assez équilibré, même si voilà, ça fait 3-0 au tableau d'affichage, quoi. Mais si on regarde les occasions nettes, 3-3, ouais, voilà. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu en trompe-l'œil, ce 3-3, quoi. Ouais, bonne défense. Voilà, je mets. Tout cas, ça fait plaisir. Voilà, première belle victoire. Je crois que c'est ma première victoire ce matin. Ça fait quasiment 1 heure que je stream et de mémoire, j'ai pas. Ouais, voilà, j'ai fait 2 nuls, une défaite, une victoire. Voilà. Ok. J'ai pas cœur observé là. Ah, bon, Manchester. Manchester, pareil, qui est pas trop trop en forme en ce début de saison, 7e. Je crois que je vais remettre la même tactique. Parce que j'ai vu des belles choses. J'ai vu des belles choses avec une équipe un peu remaniée, c'était pas l'équipe type. Donc on va voir. On va voir, mais je pense que je vais partir sur la même tactique. 4-5-1. Bien structuré défensivement, et puis on verra.
Il y a des matchs qui ont été décalés. C'est pour ça en fait que j'ai pas. Parce que d'habitude je fais par avance des entraînements d'avant-match en fait. Et je me dis bah merde, comment ça se fait que c'est pas fait? Mais en fait ils ont dû décaler le jour du match et ça s'explique pour ça comme ça, pardon. Pour Manchester. Tiens, tirage au sort. Là, bah c'est bien. Et de la chance, je tombe sur un bon tirage. Je vois qu'il reste. C'est marrant ça, il n'y a plus énormément. Chelsea, ok. City, Manchester et Liverpool, mais on a perdu quelques gros quand même. C'est intéressant. Intéressant, en espérant que je tombe sur des petits, quoi. Là, je vais dégringoler au classement, là, je vous le dis. Après les matchs là qui vont jouer cet après-midi, je vais dégringoler. Ouais, je me fais un peu critiquer là. On m'embête un peu. Je suis encore dans les deux coupes, mais c'est vrai qu'en championnat pour le moment c'est pas trop ça. Voilà, je me trouve en 11e. Si je gagne là, il faudrait que je gagne, hein, y a pas. Hein. Si je gagne, j'aurais peut-être une chance de remonter un peu. Mais bon, ce sera pas facile quoi, clairement. Clairement. Manchester après Liverpool. Huddersfield, c'est ça l'équipe que je cherchais tout à l'heure. Bon, allez, on y est. Ings devant, attaquant intérieur à gauche, on va mettre Grealish. Attaquant intérieur à droite. Alors j'avais mis le petit Muniz, hein, c'est ça. Qui est pas mauvais. Milieu axial, soutien, bah Vela. Ensuite, en meneur Pastore. On fait un bon match. Et demi-centre, là c'est là où je me tâte. Je vais mettre Tielemans. Latéral Bertrand. Défenseur central. Donc là on va mettre une défense assez costaud. Et à droite, Klein. Au but, Forster. Voilà, donc là j'ai quand même une équipe assez costaud. J'espère que Tielemans va me faire un bon match. J'ai un peu peur. Je regarde qu'est-ce qu'il m'a mis sur le banc là. Tielemans, ça m'embête qu'il veut partir en fait, clairement. Donc j'ai envie de lui faire payer le fait qu'il souhaite quitter le club. Allez. C'est parti. Wings, allez. Ah, oh, dommage. Fait peur. Ça fait peur. Allez, là. Allez. Vela, Ings. Oui, joli ça. Vela. Muniz qui récupère pour Pastore. Muniz. Clean, Pastore, Vela. Allez les gars. Grealish. Oh dommage. Dommage, dommage. Il y a Lukaku en face. Oh le poteau qui me sauve. Le poteau qui me sauve. Oh! Ce qu'il m'a fait là. Il se passe plus rien. Allez, on encourage l'équipe là. Oh, ça part en contre. Ça part en contre. L'instant, je mérite pas vraiment ce nul.
Bien joué ça. Ah, dommage. Allez, on récupère là. Les gars, non! Mais c'est pas vrai. Si ça, c'est pas moche. Déçu. Franchement, je suis déçu. Ah, puis on fait pas un bon match, quoi. Clairement. Oh là là, puis Char qui se blesse. Mon meilleur défenseur qui se blesse, quoi. Allez. Ah. Oh, sur des corners, quoi. Oh, sauvé sur sa ligne. Sauvé sur sa ligne. Mais bon, c'est un corner, quoi. C'est pas vraiment dans le jeu. Puis arrêté. Encore une fois, Muniz. Oh. Attention, c'est pas en compte pour Manchester. Allez les gars. Allez Ings. Allez. Oui. Allez. Boum. Oh là là. On mérite un petit peu là quand même. Parce que sur la deuxième mi-temps, pour l'instant, on n'a pas vu Manchester. Ouais, pas ce temps. Muniz, Ings. Et là. Illich. Voilà, parade de Réa. Muniz. Non, faut pas remettre derrière, quoi. Oh les gars. Passe facile, quoi. Ouais, bien, Chocross. Voilà. Deux erreurs défensives dans le match. Ça, c'est bon, ça. Ça fait plaisir. Ça fait pas du tout rager, quoi. Attendez, téléphone. C'est la cata, c'est la cata, ouais, la cata, putain, je suis dégoûté, 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 dégoûté. Salut à Julien, salut au Keto, bienvenue sur mon stream.
Ouais. Voilà, je me prends 3-0. Deux erreurs défensives sur le match. Cinq matchs en victoire. Bon, je suis déçu quand même là. Liverpool, prochain match. Liverpool qui est premier. Liverpool qui est premier. J'avoue que là, je suis un peu déçu et puis je sais pas trop ce que je peux faire pour corriger tout ça. Ah, Ings est en forme. Heureusement que Ings est en forme parce que derrière, ce serait pas pareil. Bon, c'est que le début, hein. Attention, faut que j'arrive à enchaîner, quoi. Quoi de mieux qu'une victoire contre Liverpool, là? Ce serait génial. Ce serait génial. On va voir. Cœur blessé 3 mois. 3 mois, 3 mois. Ils disent que je ressens la pression. C'est vrai que il y a une pression quand même qu'il va falloir supporter. Va falloir que j'arrive à enchaîner. Bon, là Liverpool, ça reste le premier du championnat, donc ce sera difficile. Mais derrière, va falloir que je réponde présent. Sur des très bons résultats. J'ai envie carrément, il me change. Regardez le nombre de blessés, hein. Quand même. Et pas des moindres, hein. Bassi, Tchatcha, Kramand, ça fait déjà 3 joueurs qui peuvent être potentiellement titulaires. Ça va aller. Ça va aller, le moral n'est pas trop là.
Allez, c'est parti. Allez, les gars. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il a failli en mettre une là? Qu'est-ce qui s'est blessé là? Oh, non, je suis à 10. Ils ont pas intérêt de marquer quand je suis à 10, hein, parce que ça me saoule. C'est un truc qui m'énerve, c'est ça. Va, ça va. Allez. Yes! À zéro. À zéro. Faut cross qui marque, c'est cool. Bon. C'est pas fini. Hein. Auré qui s'est blessé tout seul apparemment. Il est hors jeu, ça va. Oh, comment ça joue bien Liverpool. Ça va être dur de tenir la baraque. Clairement. Oh là là. Mon Dieu. Oh, sauver sur sa ligne. Ouf. Même me mettre en contrée quoi. Allez. J'ai travaillé sur les coups de pied offensifs. Le pied arrêté offensif, je vais y arriver avant le match, donc ça peut peut-être jouer pour moi. Oh Ings! Comment tu peux louper ça? Attention là, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. Les terrains, ils font un bon match, c'est cool. Après, bon, il y a Inmans qui fait pas un très bon match. Je vais faire ça. Qui veut jouer Zavi? Qui va jouer? On va faire ça pour le moment. On verra. Allez, je vais les encourager. Encourager et qu'est-ce que je peux sortir? Lopez à gauche peut-être et mettre ah non, Grilic à droite. Allez, moins que je passe. Attendez, si je mets, je peux peut-être mettre Pastore. Attendez, je réfléchis, hein. Parce qu'il faut pas que je me trompe. Ouais, on va faire ça. On va voir ce que ça vaut. Véloc qui fait un super match. Oh non. C'est pas vrai, quoi. Ah, mais du coup, ça m'embête. Alors, on va faire ça, du coup. Et un blessé de plus, hein. Un de plus, un de moins, vous allez me dire. Putain, on tient, les gars, on tient. Allings. Oh, quel dommage. Bien joué ça.
Allez! Ah! Dommage, dommage, dommage. On tient un pastor qui frappe complètement au-dessus. 35 mètres au-dessus. Oh, mais non, les gars, faut garder le ballon, hein. Bien joué. Ça joue bien, hein. Ça joue très bien. Ah, dommage, pastor. Allez, c'est fini là. Après ça, c'est fini. Oh là là, c'est quoi ce contre là? Ouh. Allez! Oui! Et goal! Yes! Yes, 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 yes! On tape les premiers, putain, ça va faire du bien au moral. Ah, ben voilà. Pff, ça aurait été chaud quand même, mais bon, stade du match, 13 tirs à 23, voilà. Voilà. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Je suis content. Très content. J'étais sur une mauvaise série et les supporters jubilent. Ins en grande forme. Question. Pensez-vous que c'est mon terme? Vous m'entendez contre lui? Voilà. Bon, du coup, je me replace. Je me retrouve huitième. Ça fait plaisir, putain. Ça fait plaisir. Bon, j'ai été battu par les deux gros, là. Manchester Arsenal, mais du coup, derrière, avec Liverpool. qu'est-ce que je disais? Ouais, donc bah tu parlais de gros Arsenal et Manchester, mais du coup je tape Liverpool, donc c'est très bien. Très très bien. Content. Il y a une petite trêve. On va les faire travailler un peu. Bon bah c'est bien, c'est bien. D'un côté ça redonne du, ça redonne le moral parce que c'est vrai que j'ai enchaîné des mauvais matchs. Après on se demande voilà qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux quoi. Everton ça va pas du tout hein. J'étais jeune en même temps, hein, désolé. Hey, salut Aketo, tu vas bien? Là. Bon, Fulham 13e. C'est un match qu'on doit gagner, clairement. Je vais reprendre ma tactique que j'ai mis contre Manchester, contre Liverpool, du coup. Ce qui paraît assez normal. Essayer de faire quelque chose de positif. Y a moyen, y a moyen.
C'est dommage, c'est un super gardien là que j'ai. Je peux pas le faire jouer hein, parce qu'il n'y a pas son permis de travail. Les joies de l'Angleterre, le permis de travail. Et Vela a sélectionné l'équipe d'Angleterre. C'est cool, mais content, pourquoi? Comme là, ça c'est un bug aussi, hein. Veut partir suite à la relégation du club. Bah, c'était sûrement l'année dernière, quoi, mais là cette année on est en première ligue, je vois pas pourquoi il râlerait, quoi. Un petit peu bizarre. Enfin bref. Les joies de FM. Salut Sockwain, bienvenue. Welcome. Je sais que parfois il y a des Anglais qui passent voir mon stream. C'est Southampton, ça paraît logique. Bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui vous rejoignent. Pierre est offensif à l'extérieur. Placement. Voilà, j'ai normalement j'ai une série de matchs qui sont de ma portée. J'ai bien dit normalement. J'espère que ça va pas se retourner contre moi ce que je viens de dire parce que bon. Souvent je dis des trucs comme ça et puis derrière j'avais dit ça aussi en début de stream, j'avais quelques matchs à ma portée et j'ai fait des nuls et des mauvais résultats quoi. Après j'ai un peu de mal aussi contre des équipes plus faibles parce qu'ils jouent tous derrière et j'ai l'impression que c'est plus dur. Après j'étais en manque de réussite aussi donc j'ai eu un carton rouge, j'ai eu des matchs où je mérite mieux que pardon, largement mieux que le nul et puis au final je me fais voler 2 points. Voilà. Après, c'est le début de saison, hein. Il faut voir là. Je me laisse, comment dire, je me laisse jusque décembre pour voir si mes tactiques fonctionnent. Après, si ça marche pas, je verrai peut-être pour changer quelque chose à mes tactiques, quoi. Mais sinon, pour le moment, j'attends un peu. C'est pas sur aussi peu de matchs que je peux juger. Ça peut très vite se retourner en ma faveur, quoi. Sur FM, ça, c'est de la confiance, hein. C'est comme ça. Bon, Fulham. Larétian, pour toi, Fulham. Target. Voilà. Voilà, on avance, on avance, on avance. Fulham. On y est. 5 joueurs, c'était quoi? Non enregistré, moi. Donc, allez, on y est. Ings devant. Ah non, Ings est 86%, quoi. Du coup, je vais mettre Muniz. Pas grave. 9,5. Krilic blessé. Oh. J'ai pas de bol avec les blessures, hein. Sérieux, c'est saoulant. Il y est.
Pastore ou... J'ai envie de mettre Pastore, tiens. Ouais. Avec Tielemans, on va changer. Voilà. Défenseur central gauche. Ah, j'ai toujours pas le petit... Ça fait galérer quand même. Qui a la meilleure note en passe là? Passe 8, Choukros 8 et Yatara. J'espère que ça ira. Namiki là sur le banc, j'ai pas fait gaffe. Toujours pas compris que je pouvais pas faire jouer des ailiers. Voilà, allez, on y va. Allez. C'est parti! Donc j'ai pas ma pointe habituelle, j'ai pas Ings parce qu'il est à court physiquement. Je... Mais où elle est rentrée! Poteau rentrant! Oh, j'ai cru qu'elle n'avait pas rentré celle-là. Yes, Lopez! Très beau but, hein. C'est cool. Bon, 1-0. Yé, Pastore, 2-0. Oui. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Eh ben, c'est cool. Ça va peut-être donner une bonne confiance, là. Oh, mais dommage, Muniz qui a failli marquer. Corner. Et 3-0, Chocross. Lopez qui fait un super match, c'est cool. Et Pastore sur le côté droit, c'est pas mal aussi. C'est intéressant, c'est pas mal. Voilà. Ouf, la barre. Pas passer loin. Ouais, bien Lopez. Oui, Lopez. Oh, dommage. Chimanga, Pastore. Ah, dommage. Dommage, dommage. Attention, hein, le match n'est pas encore fini. Ils peuvent marquer un ou deux buts avant la mi-temps, on sait, pas. Hein. S'il balance comme ça va jouer en ma faveur. C'est pas mal, c'est pas mal. On est plutôt bien en place. Allez, allez! Dommage. Putain. C'est la mi-temps. Bon. Très content à 3-0 hein. Si je suis pas content, il y a un problème. Voilà, ça c'est bien, une bonne assise défensive, c'est très bien. Muniz qui temporise. Ah, Constant qui récupère, pardon, ça part en contre. Target, bien joué, dommage. Forster qui fait un bon match une nouvelle fois. Muniz, oui, allez. Bien joué ça. Et là, dommage. Dommage, dommage.
Je vais les encourager. Store, Thielmann, dommage. Ça passe au-dessus. Oh, coup franc, barre rentrante, ouais, coup franc direct. Il est beau celui-là. Je vous le laisse admirer. C'est pas vrai. Incroyable. Voilà, le match va complètement changer là. Je l'avais dit en plus, hein, je le sentais pas. J'étais pas confiant, confiant. Putain. Faire stresser. Et voilà. Incroyable. Incroyable. C'est quoi ce jeu là? Putain. Impossible quoi. C'est pas possible. Ça m'énerve. Allez voir que je vais perdre le match. On va rigoler. Est-ce qu'il s'est blessé là? J'ai pas vu. Allez, quoi. Penalty! Penalty, les gars! Ravière qui va frapper, je crois. Le 27, c'est Ravière. Yes! Oh là là. Pas storé. Oh là. Touche longue. Dégage-moi ça, quoi. Voilà. Resserrez votre positionnement. Voilà, c'est bien les gars. C'est fini, monsieur l'arbitre. Fini. It's over. Yes. Ben, j'ai eu peur hein, quand même. Ce stress. Hein. Le stress de fou, quoi. Bon, c'est cool quand même, j'ai gagné. Bon, deuxième victoire d'affilée. Au classement, ça donne quoi? Donc je suis huitième avec 3 points de retard sur le septième. Ok, même si j'ai un match d'avance sur certains, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Liverpool 7-1 contre West Ham. Tevez est à West Ham, tiens, il est revenu dans.
dans son club de cœur. Ah, club de cœur. Il a joué qu'une saison à West Ham, mais il se plaisait bien là-bas, apparemment. 36 ans, hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Crystal Palace qui est 20e. Va falloir les taper. Il n'y a pas d'excuses à avoir. Faut les taper. Ils viennent de faire 0-0 là, je crois. J'ai passé vite, mais ouais, 0-0 contre Brighton. Ok. Et Newcastle qui bat Tottenham. C'est bien pour moi parce que Tottenham est à un match de retard devant moi. Bon, c'est cool. Bon, là, c'est bien. J'ai eu peur, hein. Franchement, j'ai eu très peur. Je vous le dis. J'ai cru qu'on allait encore se faire entre guillemets voler quoi. Parce qu'à 3-0 à la mi-temps, se faire déjà rattraper à 3-3, c'est pas normal. Et si j'avais perdu, voire nul sur ce match, j'aurais été vraiment déçu. En tout cas, Pastore à droite, c'est pas mal. C'est bon à savoir aussi. Va falloir que j'alterne Pastore et puis Bacic. Parce que Pastore en milieu offensif, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pas extraordinaire, quoi. Donc voilà. Char entraînement complet. Voilà, Crystal Palace. Qui a quand même été en lutte avec moi la saison dernière pour le titre en seconde division anglaise, mais je sais pas s'ils ont effectué un beau recrutement ou pas. Enfin, apparemment, ça a l'air de pas trop fonctionner. Salut Mike Herbel, welcome. J'espère que tu vas bien. Allez, Crystal. Oui, équipe UR qui tape Manchester City, incroyable. Incroyable. Bon, on y est. Tac. Donc, Ings inquiet, ouais. Parce qu'il est observé, à mon avis, ça doit l'embêter. Du coup, devant. C'est con parce que Inman, il fait des super matchs. Hein. Mais comme il est mécontent et il veut partir, ça me bloque un peu avec lui, quoi. Clairement. Pas faire jouer Grealish parce qu'il revient de blessure et je veux pas risquer de. Lui faire mal. Un peu plus. Ouais, on va le faire jouer. Une équipe assez intéressante, hein, une nouvelle fois. Donc Grealish, il va pas être sélectionné. Je vais prendre Tara avec moi. C'est bon. Allez, c'est parti. Bacic, ouais. Minutes de jeu, pas grand-chose pour le moment. Ouais, joli ça, les gars. C'était pas une action, d'accord. Ah, dommage, corner pour moi, allez. Inman, Lopez. Et but, voilà. Je marque souvent sur corner quand même. Mais bon, voilà, hein. Y a pas, il faut prendre les points là où on peut les prendre. Donc en marquant des buts, même si c'est des buts de raccro, je m'en fous. C'est une année entre guillemets de transition, hein, entre guillemets, parce que
On peut pas dire qu'avec 29 millions d'euros, on peut refaire une équipe pour la première ligue, hein. J'ai dû faire avec l'équipe que j'avais, que j'ai eue en fait en fin d'année, enfin en décembre 2019, quoi. Parce que là, je suis en 2020, donc comme je suis arrivé en décembre de l'année dernière, j'ai pas pu choisir mes joueurs, hein. Automatiquement, c'est normal. Donc on fait avec. Si j'aime plutôt bien mon équipe, hein. Attention, hein. Voilà, ça passe bien à côté quand même. Oh, Bastic. Oh, ce qu'il nous a fait, le Bastic. Pastore qui fait une belle passe là, hein, parce qu'il aurait pu frapper, je crois. On va regarder un petit peu. Ouais, il aurait pu frapper, mais il fait la passe à Chocross, c'est super bien joué. Ça fait 2-0, Crystal Palace qui m'a l'air quand même assez en dessous de nous. J'ai bien dit à l'air. Bien, Bastic. Bien joué ça, Pastor. Lopez là qui est un peu chié, séché dessus. Oh Pastor, dommage, c'était bien joué. Pastor qui fait un bon match là, 7,1, c'est cool. En tant que meneur de jeu. C'est Ings devant qui a un peu de mal hein, sur ce match pour le moment. Mais nous on est en place, c'est bien. Mi-temps, match tranquille. Prudent, content du match pour le moment. Si on peut enchaîner par une troisième victoire d'affilée, ce sera très bien. Ah, dommage. Dommage, dommage. Inman Lopez. Oh là là, trois. Quasiment trois buts de la même façon, hein. C'est quand même marrant. C'est quand même marrant. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream. Je vois qu'on est un petit peu plus nombreux là. Bienvenue à vous, bon réveil. On est parti avec Southampton. Je suis arrivé au club décembre 2000, 2019. Après que le club soit descendu en seconde division anglaise, j'ai remonté le club, j'ai fini champion. Et me voilà en première ligue, quoi. Avec pour objectif fixé par les dirigeants d'atteindre l'Europa League en fin de saison. Donc c'est pas facile hein, comme défi. Mais bon. Voilà, ça c'est un beau but. Ings qui marque, c'est cool. 4-0. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vrai que Crystal Palace, elle apparaît quand même assez en dessous. On voit qu'ils sont en manque de confiance, clairement. Moi j'en profite quoi pour me redonner de la confiance. Encore un coup de pied arrêté. Beaucoup de coups de pied arrêtés sur ce match quand Lopez. Oh, Foster, sortez Foster. Allez, on va faire un petit changement. J'ai Bazic qui fait 9 sur 10, c'est très bien. Inman aussi qui fait un bon match. Je vais faire entrer Muniz. Ok. Ouais, je vais plutôt faire ça. Et faire entrer Chimanga à la place de. Quoique. Non, on va faire Xavi parce qu'il veut jouer. Donc c'est l'occasion de le faire jouer un petit peu vu qu'on gagne. Oh, belle passe, attention. Oh. Lopez qui dribble, qui dribble. Ouais, dommage. C'est pas loin.
C'est cool, ça me fait remontrer septième là, si ça reste comme ça. Et je vois qu'Arsenal et Manchester font pas un très bon début de saison, quoi. Clairement. Hein. Quand je vois que City perd sur son terrain contre QPR, je me dis vraiment que tout est possible dans ce championnat. Hein. Dommage, c'était bien joué. Il y a Cristiano Ronaldo à Chelsea, au fait. Je sais pas si vous avez vu sur les précédents lives. C'est fini, monsieur l'arbitre. C'est fini, monsieur l'arbitre. Voilà, 4-0. Ça c'est fait. Et c'est bien fait. Alors, salut à Donny Lad, welcome. Bienvenue sur le stream et bienvenue aussi à Toda. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à parler sur le chat et à, voilà, à communiquer avec tout le monde. Même pour moi, vis-à-vis de moi, si vous avez des questions, des choses à voir. Salut yourself, comment tu vas? La forme, bien dormi? Voilà, je crois qu'il fait un bon match, mais en même temps il m'a marqué 2 buts. Hein. Donc s'il ne fait pas un bon match. Ok, Danny. Fan of Southampton. So welcome. Satisfait des renards. C'est surface. Donc match prochain en Capital One Cup. On va pouvoir faire tourner, on va pouvoir mettre une équipe un peu plus. Un peu plus, comment dire, plus jeune. Bon, sinon, yourself, Pastore, pour le moment, c'est pas si mal. Il a commencé moyennement, et puis là, voilà, il commence à tourner à 7,30 de moyenne. C'est plutôt pas mal, c'est mieux que le début de saison, quoi. C'est mieux, c'est mieux. Everton qui font un mauvais début de saison. Ah, voilà, qui gagne. Voilà, il suffit de dire ça pour qu'il gagne. J'ai failli avoir Lilovic. Je suis vraiment déçu. Sachant que maintenant il vaut 23 millions, j'aurais pu l'avoir à 6 millions d'euros. Quand j'y pense, ça me... Je suis dingue. Bon, Stoke qui gagne contre Manchester, c'est bien pour moi. Très bien pour moi parce que Manchester est juste à un point de moi. C'est cool. Mes prochains matchs, c'est contre Brighton. Brighton qui est 17ème, ouais, de mémoire. Voilà. Y a moyen que je les tape aussi. Voilà. Oh, ça fait plaisir. Il y a un peu plus de monde sur le stream. Bienvenue à tous. Je vais essayer de vous proposer des beaux matchs. Je vous promets rien parce que depuis ce matin, là, depuis 8h, j'ai commencé mon stream à 8h. Voilà, j'ai commencé par Swansea, match nul. QPR, match nul. Une défaite contre Arsenal, si je me souviens bien, assez serrée, même si Arsenal méritait peut-être la victoire quand même. Victoire contre Stoke en coupe et après contre Manchester là je me fais défoncer alors que c'est pas du tout mérité. Ok, Doncaster, coup de club. Yes. Donc Manchester, ouais, 2 buts gag, je donne les buts quoi. Vraiment dégoûté. Par contre je tape Liverpool qui était premier à ce moment-là. Ça c'était plutôt bien. Après derrière j'enchaîne plutôt des bons résultats quoi.
Bon, là, je vais faire tourner, comme j'ai dit. Là, j'ai Kramons qui va revenir de blessure, ça va faire du bien. Donc, on va mettre Grilich, par contre, parce que lui, même si... comment dire, c'est un joueur que j'apprécie et je veux m'appuyer sur lui un peu plus. Et là, il revient de blessure, en fait. C'est pour ça qu'il va jouer titulaire. En ailier, on va faire tourner. Je vais mettre Gudger, je pense. Ouais. Et j'aurais même pu faire jouer Baker devant là, à la place de Reed. C'est l'occasion de le faire jouer, le petit Baker. Allez, je vais le faire jouer. Petit jeune du centre de formation. C'est intéressant. Chirichès, défenseur central. Là, pareil, on va faire tourner. Yatara. Et tu es où, Char? Ouais, parce que Char revient de blessure, donc c'est le pareil, un peu comme Grilich, il a besoin de jouer pour reprendre de la condition. Voilà. Donc je regarde qui j'ai sur le banc quand même. Choucross, Tielman, ça me paraît bien, ça me paraît correct. Et c'est parti. J'espère qu'ils vont faire le taf quand même. Ma petite équipe entre guillemets B. Suis curieux de voir comment Baker va jouer. Bizarre ce match pour l'instant. Freeman. Il y a Freeman qui joue là-bas. C'est moi. Ouais, Baker. Jouer Grilich. Il sort, dommage. Dommage, dommage. Normalement, pour le moment, on fait le boulot quand même. Ça va globalement. Oh, bah. Ok. Ah, je te montre mes consignes. Elles sont assez simples. Attends. Hop, voilà, j'ai ça. Donc conserver le ballon, balancer pas en défense. Utiliser plus la largeur du terrain, automatiquement avec des ailiers. Jouer plus haut. Plus de pressing, engagez-vous plus. Jouer le hors-jeu parce que j'ai trois défenseurs. Empêcher les relances courtes du gardien. Un tempo plus élevé. Voilà. Je touche pas trop aux consignes sur les matchs. Là, je vais jouer un peu plus offensif du coup. Voilà. Elles sont derrière, elles jouent carrément. Et but, Muniz. Et je pense pas qu'il est hors jeu. C'est très bien. On va continuer de jouer offensif pour la fin de première. Ah, il est pas hors jeu, il y a l'alignement découvert. C'est cool, Muniz, le petit jeune Regen que j'ai acheté pas cher là. C'est cool. Je l'avais acheté plus pour être milieu offensif, mais devant il marque pas mal. Donc, oh oui, ça c'est beau! Pas de soucis, Yourself. Hein. Si t'as des questions, n'hésite pas. Oh, le gardien, il y a la ramasse là. C'est cool, Grilich qui revient de blessure et qui marque. Je reste en offensive jusqu'à la fin de première. Oh, dommage. Et le petit backer, il fait un 6,9 pour l'instant, c'est pas mal. Allez, corner. C'est la mi-temps. Voilà. Et là, je vais me mettre en contrôlé maintenant pour la fin de match. Hein. Galic. Et là, on récupère ça. Hein.
Non, les gars. Oh putain. Ça sent le rouge, non? Oh, ça sent carton jaune, ça va. Aïe. 2-2. Ah, c'est pas mérité, quoi. 14 tirs à 5. Occasion nette. 4 pour moi, 2 pour eux. Le match n'est pas fini, hein, mais bon. C'est quoi ça? Mais c'est encore une erreur défensive là, ça va pas la défense. Hein. McCarthy, je vais le sortir, tant pis. Hein. J'aime pas trop sortir les défenseurs, mais sur un match comme ça, allez, je vais faire rentrer Chimanga devant. Et Muniz qui marque, cool. Cool. Salut Sam Morsley et Vendien, bienvenue sur le stream. N'hésitez pas à laisser des petits messages dans le chat si vous avez des questions ou si voilà pour dialoguer avec tout le monde. Bon, c'est un match un peu. Ah bah penalty. C'est un match un peu bizarre, mais en même temps, voilà, j'ai fait tourner, j'ai mis des joueurs qui jouent pas beaucoup. Même si bon là j'ai fait rentrer quelques cadres, mais Char qui marque, c'est cool. 4-2. On fait le boulot. Je suis content de Muniz parce qu'il joue pas des masses. Et puis voilà, là il fait un bon match à 9,1. Si vous voulez, je peux vous montrer ses stats. Regardez le petit Muniz là que j'ai acheté pour 350 000 à qui était prêté par Valladolid. Très bon joueur hein, quand même à 18 ans. Très complet. C'est vrai que je comptais le faire jouer en milieu offensif, mais finalement en pointe, il fait le boulot. Hein. Il fait le boulot. Il est bon de la tête. 13 en finition à 18 ans, ça va bien augmenter. Donc c'est assez intéressant. Assez intéressant. Il est rapide. Je crois que il peut apporter quelque chose devant. Si je le laisse devant, je pense qu'il peut marquer pas mal de buts, c'est ça que je veux dire. C'est cool, c'est Grilic qui fait un très bon match. Et je crois même que je vais le sortir avant la fin du match pour. Parce que c'est son premier match après sa longue blessure, donc on va le sortir. Je vais mettre Tillmans à sa place. Non. Non, je suis à 10. Je suis à 10 pour la fin du match, les gars. La guerre.